On reste sur le thème, ici, sur la créativité. Alors cette fois, par contre, on va parler de design d'interface, et de manière très concrète, avec Étienne Mineur, qui a plusieurs casquettes. Alors il est designer, éditeur, enseignant, entre autres. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il nous parle de Spirogami, et pourtant c'est un spécialiste. Hein ? Vous ne connaissez pas la Spirogami ? Ah, il va en montrer, c'est la technique de pliage de papier en forme de spirale. Voilà. En tout cas, il a commencé à la fin des années 80 avec notre bon vieux CD-ROM. Il est passé par le boom du web et du mobile, en passant par le design des objets, pour finir avec la reconnaissance vocale. En tout cas, il va vous parler de tout ce qu'il a mis en place. Pour chaque exemple très concret, vous saurez de quelle manière l'idée est venue, ainsi que sa formalisation. Donc, je laisse la parole à Étienne Mineur, merci. Ben, merci. Vous m'entendez ? C'est bon ? Super. Non ? Oui ? Non ? Alors le micro, il ne doit pas être allumé. Si ? Ah d'accord, je ne m'entends pas, désolé. Donc, ben, merci d'être autant... Voilà, vous êtes venus, c'est impressionnant. Donc je vais, dans cette petite présentation... Alors, je vais peut-être aller assez vite sur certains projets. En fait, tout est en ligne, donc si vous voulez avoir des informations complémentaires, tout ce que je montre est en ligne. Moi, je suis assez... voilà, je montre à peu près tout ce que je fais. Et puis vous pourrez discuter avec moi après à la sortie si vous voulez. Donc moi je m'appelle Étienne Mineur, je suis designer. Ben, comme on a dit, je suis un vieux de ce domaine en tant que designer graphiste. Moi j'ai regardé tout à l'heure, en gros mon premier truc c'était en 1984, c'était sur des machines qui n'existent plus, voilà, des présentations pour des entreprises. Et puis après, ben, je sais pas, mon premier stage c'était avec du Minitel. Donc en gros, comme tu as dit, je suis passé à peu près partout sur l'écran, du Laserdisc au pile hypercard, enfin voilà, tout ce que vous connaissez ou pas, c'est pas très grave. J'ai travaillé pour Nokia avant l'iPhone, enfin voilà, donc beaucoup. Donc moi j'ai une formation de graphiste, designer, donc j'ai fait les Arts Déco de Paris. À une époque, je suis rentré en 87, il n'y avait pas d'ordinateur ou presque, pas de téléphone portable, pas internet oui, mais pas le web. Donc voilà, tout ça c'était avant. Mais moi je suis la génération où on est arrivé juste, alors rien de prétentionné, rien, c'est arrivé comme ça. Quand je suis sorti de l'école, en fait, j'ai trouvé du travail très vite parce que je savais me servir de Express. Vous voyez, c'était pas très, c'est pas parce que j'avais fait une belle école ni rien. Mon premier boulot c'est oui. Ah bon, je présente mon book, on s'en fout. Tu sais te servir d'Express ? Bon, bah voilà. Donc j'ai fait la charte de la SNCF en 1992. Enfin, pas tout seul, mais c'est moi qui ai fait tout l'exé de la charte SNCF. Je peux vous dire, j'ai bien appris mon boulot en print, bien sûr. Donc, mais en même temps, j'avais créé une boîte avant avec Emmanuel Olivier. On a fait les premiers CD-ROM, c'était Index Plus. Voilà, le Louvre et compagnie, bah, voilà, on était deux à l'avoir créé, c'était Emmanuel Olivier, excusez-moi, et moi. La boîte a grossi, tout ça, puis moi j'ai travaillé beaucoup de choses en freelance, et en fait, après avoir beaucoup, beaucoup travaillé sur et pour l'écran, arrivé sûrement à la crise de la quarantaine, j'ai dit, bon, bah, ok, c'est bon, si je revenais au papier, parce que moi je suis designer graphique, j'adore les livres, les papiers. En plus, j'avais deux, trois enfants, surtout deux, à la maison, et bah, je voyais la beauté, honnêtement, au niveau édition papier en France, au niveau des éditions jeunesse, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que vraiment, vous replongez dedans, les pop-up, tous les Spirogami après, mais ces livres, bon, vraiment, c'est magnifique. Et je me suis dit, bon, bah, vraiment, c'est dommage de dissocier ce monde, parce que souvent, les éditeurs papier disent, il y a le monde numérique qui est souvent considéré comme un peu l'ennemi, un peu ce qui arrive avec la musique, et le monde du papier. Moi, j'ai dit, ben non, moi, j'ai envie de faire des jeux vidéo en papier. Voilà. Et ça tombe bien, j'ai un ami ingénieur qui me dit, ben moi aussi, j'en ai marre que ça se dématérialise, tout se dématérialise au maximum. Moi, ce que j'aime, c'est des objets physiques. Et je suis parti sur, en fait, donc on a créé les éditions volumiques. Alors, les couleurs sont bizarres, mais ce n'est pas très grave. Vous aviez raison à la régie, les couleurs étaient bizarres. Donc, nous, on développe, moi particulièrement. Alors, quand je dis nous, on est deux. Il y a Julien Ognon, le développeur, le directeur technique, et moi, le directeur de création, sachant qu'on est une boîte de deux, donc c'est facile de dire directeur de création, ça frime, mais en gros, c'est moi qui sors les poubelles, va acheter un... Tout à l'heure, il y a un coursier qui m'a appelé, voilà, vous connaissez, voilà. Donc il y a un grand directeur technique et un grand directeur de création, bon, en gros, un designer et un développeur, voilà. Et on fait plein de prototypes, et après on travaille avec plein de freelances suivant les projets, et on travaille aussi bien en consulting, on fait beaucoup de prestations dans le domaine du jeu, et aussi on développe et on produit et on édite nos livres quand on a quand on a de l'argent et du temps, ce qui est rare. Mais en résumé, voilà, très vite, c'est ça. On adore le papier et le pixel, et ça fait maintenant 13-14 ans qu'on travaille sur les deux choses. Mais avant tout, je voudrais faire une petite introduction, en fait, qui n'était pas du tout prévue, mais en fait, il y a un événement en ce moment, je ne veux pas vous faire peur, alors je pense qu'il y en a qui sont au courant, c'est l'avènement des intelligences artificielles. Alors moi, il y a encore 6 mois, j'aurais dit, oui, vous êtes gentils, les IA, mais tant que Siri ne comprend pas entre... vous voyez, je ne sais pas, moi j'ai un Alexa à la maison, à part, dis-moi 7 minutes l'eau des pâtes, et puis fais-moi un rappel tout à l'heure, voilà, et puis mes fils qui balancent des playlists débiles Spotify pour rigoler. Honnêtement,
c'est un peu pathétique, entre guillemets, parce qu'une telle intelligence, telle technologie si avancée pour, à la fin, je vous dis, c'est l'eau des pattes. Enfin, moi, vraiment, hein, c'est à la maison. Hein, et, voilà. Et en fait, là, je me suis réintéressé un peu à ce domaine. Et en fait, là, depuis 6 mois, on rigole plus. C'est-à-dire que toute personne qui travaille dans l'image et le texte, en fait, là, il y a un gros souci, hein, je peux vous le dire. Hein. Alors moi, je suis à la fois affolé et exalté, comme vous voyez. C'est-à-dire, je suis entre les deux en ce moment, je ne sais pas. Donc, en ce moment, on a deux... Alors, c'est surtout Google hein, qui sont ultra forts là-dedans. Il y a Disco Diffusion, il y a DALL 2.0 qui est arrivé. Donc ça, c'est Elon Musk qui est derrière avec Open.ai. Il y a Midjourney. En fait, il y a pas mal de moteurs d'intelligence artificielle. Alors, intelligence avec énormément de guillemets, on est d'accord. On va parler de réseaux neuronaux, de machines apprenantes ou apprentissage profond, d'accord. Le mot intelligence, c'est très marketing. Justement, elles ne sont pas intelligentes, mais elles vont beaucoup plus vite que nous et ont lu et vu des milliards d'images de plus que nous. Donc, il y a vraiment un souci. Enfin, quand je dis souci, je suis plutôt positif, mais quand même, hein, il y a un truc. Ça, par exemple, ça, ce sont des images faites par des IA. Fais-moi un petit masque. Et l'interface, elle est textuelle. C'est du texte to image. Donc, en fait, ce qui s'est passé. Pendant 20 ans, on a appris aux IA à reconnaître ce petit chat. Ça, c'est un chat. Ça, c'est un chat. Ça, c'est un chien. Ça, c'est un hamster. Ça, c'est un humain. Ça, c'est une voiture. Vous avez les CAPTCHA en ce moment. Avant, c'était du texte. Donc, l'OCR, la reconnaissance de texte, marche très, très bien maintenant. La traduction, honnêtement, il y a eu un bond depuis 2-3 ans, par exemple, avec DeepL ou des choses comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est ultra. Alors, moi, c'est génial. Je parle mal anglais. C'est un bonheur pour moi. Là, je dialogue avec des Chinois. Je tape en français, évidemment, mais il répond. Sûrement en chinois, mais moi je comprends du français, et vraiment c'est assez incroyable. Et on a appris à ces machines à reconnaître du texte, du son, des images. D'accord ? On leur a appris pendant. Et elles ont emmagasiné, donc surtout Facebook, Google, tous les grands GAFAM, ont emmagasiné des milliards de données. Plus elles ont juste aspiré tout Internet, bon courage. Donc c'est énorme. Et puis il y a une idée géniale, je ne sais pas qui l'a eu, des ingénieurs fous quelque part, qui ont dit mais au fait, IA, je l'appelle IA, à quoi ressemble un chat pour toi ? C'est ça qui est génial. C'est-à-dire que là, on a fait le retour. C'est-à-dire que maintenant, ce n'est pas nous qui disons ça, c'est. On lui envoie une image et on lui dit ça, c'est un chat. On lui dit, mais pour toi, un chat, c'est quoi ? Et en fait, ça, par exemple, ces chats sont des images sorties par les IA. D'accord ? Ça, c'est un chat. Alors, si vous regardez, il y a des petits défauts. Alors, en vrai, c'est plutôt ça. Hein ? D'accord ? Mais quand vous faites des milliards d'essais, à un moment donné, vous tombez sur des trucs. En fait, c'est très, très curieux. Là, par exemple, donc ça, c'est un graphiste là, qui fait ça sur Disco Diffusion. Ça, c'est vraiment. On a tapé en texte, alors je ne sais plus ce qu'on appelle le prompt, la phrase qui va dire qu'est-ce que tu veux. Donc, ce qui est génial, c'est que c'est une interface textuelle. Moi, j'ai pas mal travaillé, par exemple, dans le design génératif, où là, c'est du code, hein, du processing, de ce que vous voulez. Il y a quand même, moi qui suis graphiste, pas développeur, il y a une frontière, c'est-à-dire que ce n'est pas aussi naturel. Il y a une syntaxe, il y a des bugs. Au moindre point-virgule que vous oubliez, ça ne marche pas. Là, vous tapez n'importe quoi, en anglais, en français, en turc, en ce que vous voulez, il vous répond quelque chose. Alors, des fois, c'est n'importe quoi. Mais là, vous voyez, ça, c'est une image faite en 20 secondes, quand même. Hein? Alors, Disco Diffusion, ça peut être plus loin. Après, vous pouvez payer pour aller plus vite. Ça, pareil. Ça, c'est juste, décris-moi, fais-moi un paysage, comme ça. Ça, par exemple, ce sont des gens qui n'existent pas. D'accord ? C'est fais-moi le portrait de quelqu'un. C'est un site web incroyable qui s'appelle People Doesn't Exist. Vous voyez, j'en ai pris 2-3. Et ce qui est incroyable, c'est que, vous voyez, il n'essaye pas de faire de l'hyperréalisme comme on peut avoir dans les films d'Hollywood. Il copie les mauvaises photos de vacances. Vous voyez, il y a les imperfections. Non, mais c'est ça qui est vrai, en fait. Quand je dis vrai, c'est que visuellement, c'est extrêmement troublant. D'accord ? Et elle va très vite, surtout. Ça, c'est moi, personnellement, dans mes nuits folles, en ce moment, c'est pour tout vous dire, où je m'amuse avec de la typographie très, très bizarre. Voilà. Là, je lui demande, crée-moi un alphabet. Mais elle ne sait pas ce que... Enfin, il faut bien comprendre, je ne vais pas faire un cours là-dessus, mais elle ne sait pas ce que c'est qu'une lettre, elle ne sait pas ce que c'est qu'un chat. C'est juste statistiquement. Quand il y a marqué, ici, par exemple, ce que j'ai tapé, voilà, dessine-moi des fleurs bizarres peintes par Gustave Doré. D'accord. C'est ça qui est génial, c'est-à-dire que vous pouvez dire « dessine-moi une fusée imaginée par Escher, par Picasso, par Dali, par ce que vous voulez ». Et c'est cette collision qui commence à être intéressante. La machine est totalement idiote et ne sait pas ce qu'elle fait. Par contre, nous, on projette du sens par-dessus. C'est ça que moi, où je suis ultra optimiste et positif, c'est-à-dire que c'est à nous de projeter de l'intelligence. Là, je me suis amusé, vous voyez. Là, je travaille en noir et blanc volontairement parce que quand on travaille par la couleur, ça part dans tous les sens. Là, je lui ai dit « imagine-moi des arbres faits par Escher et peints par Gustave Doré ». D'accord. Et alors, après, vous pouvez aller très loin. D'où mes nuits. Là, je suis assez fatigué parce qu'en fait, c'est sans fin. D'ailleurs, c'est assez, pour tout vous dire, c'est assez désespérant parce que vous avez une machine qui se fatiguera avant vous. D'accord. C'est voilà. Là, par exemple, je lui dis, fais-moi des petits monstres rigolos, mais un peu méchants. Voilà. Et là, vous voyez, mais elle m'en sort des milliers, des milliards. D'accord. Très, très vite. D'ailleurs, pour tout vous dire, je me suis dit, bon, Étienne, on se calme.
choisis celui que tu préfères. Mais j'ai mis 2 heures. Hein, parce qu'en fait, pour faire mon petit avatar, j'ai mis 2 heures à trouver. J'ai mis plus de temps à trouver lequel me plaisait que à produire ces images au robinet. C'est une sorte de robinet. Voilà. Là, en ce moment, sûrement un problème capillaire de mon côté, je m'amuse à faire des polices de caractère avec des cheveux longs. Voilà. Donc, et ça part dans tous les sens. Voilà. Donc, vous voyez, la phrase dessous, c'est ce qu'on appelle le prompt. C'est exactement ce que j'ai demandé à l'IA. D'accord ? Donc, c'est un jeu infini, comme ça. Voilà, comme ça, vous voyez. Alors, il y en a avec des plumes. Alors, si vous me suivez sur Instagram et tout, il y a des trucs beaucoup plus bizarres. D'accord ? Je vous montrerai, parce que dès qu'on mélange corps humain et autre chose, vous allez voir, ça fait des trucs très bizarres. D'ailleurs, j'ai des petits soucis, là, en ce moment. Ils veulent me bannir. Parce que... non, mais ce qui est drôle, pour vous dire, c'est qu'eux voient quelque chose de pornographique, mais pas du tout. C'est l'humain qui voit quelque chose de pornographique. Parce qu'en fait, j'ai dit, fais-moi des polices de caractère avec des corps humains. Et donc, ça fait des choses très, très bizarres. Je vous montrerai, voilà, regardez Instagram. Voilà. Et qui sont assez... Et il y a des humains qui disent, ah, mais non, ça, c'est la pornographie. Je dis, mais non, si tu regardes, il n'y a pas de pornographie. C'est juste des textures humaines. Des fois, il y a du poil. C'est un peu bizarre, c'est vrai, sur des polices de caractère. Mais il n'y a pas... C'est toi qui projettes, en gros, le mal dessus. D'accord ? L'IA, elle ne le sait pas. D'ailleurs, je vais finir là-dessus. Tous les systèmes, là, quand vous allez sur ces sites, vous disent « Attention, nous ne sommes pas responsables de ce que l'IA va dire, parce que l'IA n'est que le retour, elle ne voit notre monde que par les données numériques qu'on lui a données. » Bon courage. Hein. C'est-à-dire que je pense que sur Internet, un quart des images doit être pornographique. Hein. J'ai pas de statistiques, je ne sais pas, mais assez vite, hein, on tombe sur des choses, même si vous tapez écureuil sur un arbre, et tout d'un coup, vous faites « Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ?» Voilà. Et d'ailleurs, il y a plein de filtres « safe », les développeurs disent « Attention, soyez gentils dans ce que vous dites, soyez gentle, soyez doux. » Non, c'est rigolo parce qu'on a l'impression de dresser un fauve. C'est-à-dire que vraiment, c'est un fauve qui produit des images. Et le texte, c'est hallucinant. C'est-à-dire que, ça s'appelle GPT-3, le beau petit nom. C'est, si vous testez, vous allez voir là... Là, moi, il me fait des histoires drôles. Voilà. Là, quand on arrive à l'humour, il fait « Ah ouais, et c'est drôle ». Alors, lui, il ne sait pas que c'est drôle. C'est qu'il a lu 480 millions de livres et il mélange des trucs qui ont plus ou moins des patterns soi-disant drôles pour l'humain et il me les redonne un peu mixés. Voilà. Donc, on a une sorte de gros mix comme ça. Et ça, par exemple, vous voyez, le fait qu'elle ne comprend rien. Là, je lui ai demandé « Fais-moi un poster, une couverture de livre avec un alphabet. » Alors, j'ai dû mettre organique ou floral autour. Mais vous voyez, elle ne me donne pas, il n'y a pas de texte, elle ne me fait pas une police de caractère lisible. Elle, c'est juste statistiquement, les polices de caractère pour les humains, a priori, ça ressemble à ça. Voilà. Donc là, actuellement, juste pour finir, c'est à la fois exaltant, à la fois très perturbant. Moi, j'ai des coups de téléphone pour dire à des copains que je sais qui sont en mode « mais, comme ça, vous voyez, mais j'ai testé toute la nuit, mais c'est juste effarant. C'est-à-dire que, mais là, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et en fait, j'ai trouvé une phrase de Michel Serres très intéressante là-dessus qui dit « On est condamné à devenir intelligent. » Ça, c'est une bonne surprise, et une surprise ou une bonne nouvelle. C'est-à-dire que ces machines, en production, par exemple, si vous voulez faire des planches de style, si vous êtes Ruffman ou concept artiste, par exemple, dans le cinéma et les jeux vidéo, honnêtement, ou par exemple, designer textile, de motifs de textile, là, ça va être compliqué parce que, en face, moi, je me suis amusé à faire des. J'ai tout fait, hein. Enfin, pas tout, mais j'ai fait du textile, des trucs comme ça pour voir ce que ça donne, et c'est très concluant. Par contre, c'est à vous de choisir. C'est ça ce que je disais. C'est que vous passez plus de temps à choisir sur des milliers de planches de style. Vous savez, avec vos clients, si vous leur donnez trop de choix, ils vont toujours prendre le mauvais. Mais en plus, vous avez, même vous, vous avez du mal à savoir. Voilà. Donc, on est vraiment dans une position très, très étonnante. Et justement, pour rebondir là-dessus, une chose que ces IA ne pourront avoir jamais, alors peut-être pas, mais ça, on en parlera plus tard, c'est l'usage. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas la notion de plaisir de notre vie. C'est-à-dire que la vie physique, elles ne l'ont pas. Elles ne voient notre monde qu'à travers les images qu'on lui donne ou les textes. Donc, moi, pour un designer, moi, mon travail, en fait, en tant que designer, c'est d'analyser et de trouver des nouveaux usages par rapport à un sujet précis et de donner pour le bien commun, oui, pour le bien commun quand même, pas toujours, mais si, mais voilà, pour le bien commun, mais une réponse formelle ou conceptuelle à une problématique. D'accord ? Ces IA ne peuvent pas savoir. C'est-à-dire que vous savez, la phrase, on dit un designer, vous ne lui demandez pas de fabriquer un pont, vous lui demandez juste comment on traverse la rivière. Le résultat sera peut-être d'apprendre à nager aux gens, faire un pont, un hélicoptère ou inventer des bateaux. D'accord ? C'est la grosse différence avec les ingénieurs. Rien contre les ingénieurs. Un ingénieur, lui, va calculer la structure et tout, que je ne sais pas faire. Par contre, c'est par rapport à une problématique. Là, l'IA, elle ne sait pas ce que c'est que l'eau froide. D'accord ? Elle ne sait pas cette sensation. Elle ne sait pas que, je ne sais pas, même la notion de plaisir, de tout ce que vous voulez. Donc, nous, notre gros avantage, c'est ça. C'est notre vécu, en fait. Donc, et d'où notre intelligence par rapport à ça. Alors, pour finir cette conclusion, enfin, là, on passe dans le sérieux, on va dire. Là, je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur, Gunpei Yokoi, qui malheureusement est décédé. C'est le plus grand designer, game designer. Ce n'est pas Shigeru Miyamoto, enfin,
aussi de chez Nintendo. C'est le grand toys designer de chez Nintendo dans les années 60, 70 et 80. Et là où il est très très intéressant, donc je ne fais pas sa bio, ce monsieur, il est ingénieur dans les années 60 au Japon. Visiblement, il n'est pas super bon. Enfin, c'est quelqu'un d'un peu décalé. Il aime les belles voitures, il aime faire la fête, il est très volubile visiblement. Et dans les grandes entreprises dans les années 70 au Japon, ça ne collait pas très bien. Il cherche un stage et on lui dit, bon, il y a une petite boîte là, un peu bizarre, qui est à Kyoto, ça devrait t'intéresser. Je crois qu'ils font des jeux pour, ils font des jeux de cartes et surtout des jeux pour les fêtes foraines. C'est Nintendo, d'accord, dans les années 70. Et lui, il y va. Et en fait, il va imaginer plein de mécaniques de jeux. Là, il est ingénieur pour de fêtes foraines. Et là, je vais vous montrer un truc. Alors, c'est marrant parce qu'au Japon, évidemment, il est très connu. J'ai trouvé sa petite vidéo. C'est là où il a une idée géniale. Il est dans le train entre Kyoto et Tokyo, d'accord ? On est dans les fins des années 70. Et pour moi, c'est vraiment... Alors, je ne me compare pas à lui, n'ayez pas peur. Hein, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que là, vous voyez, il est dans son train. Il s'ennuie un peu. Sachant que dans sa tête, ce monsieur, c'est un professionnel du jouet. D'accord ? C'est-à-dire que toute la journée, il travaille à résoudre des problématiques liées au ludique et au jouet. Là, il en a marre, enfin, si je vois bien, là, voilà. Et il se dit, bon, voilà, je vais... Il regarde les gens autour de lui. Voilà. Ça, c'est ça. Enfin, pour moi, un designer, c'est ça. C'est quelqu'un qui regarde autour de lui. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? L'usage qu'ont les gens d'une technologie. Là, il voit à l'époque des années 70, on avait des petites calculatrices, la Texas Instruments ou autre, à cristaux liquides. Et il voit les gens qui... jouent ou passent leur temps sur ces petites calculatrices. Voilà. Alors là, c'est mis en scène, hein, bien sûr. Alors, c'est documenté, hein, tout ce... Voilà. Tadam, voilà. J'adore. Vous savez, c'est un film de suspense pour designer, c'est génial. c'est... Ah, voilà. Bon, il a l'idée. Voilà. Donc, j'adore ces genres de films. Vous voyez, je pense que vous, ça vous amuse, mais il y a des gens qui me disent, mais si tu regardes ça, voilà, je dis, oh, c'est extraordinaire. C'est mieux que Top Gun 3, là, voilà, qui va sortir. Voilà. Et en fait, le monsieur, voilà ce qu'il invente. C'est juste, il voit la relation entre ces petites calculatrices, l'idée, déjà, on est dans les années 70, les jeux vidéo, c'est balbutiant. Nintendo ne fait pas de jeux vidéo à l'époque, d'accord ? C'est des consoles qu'on met sur des écrans, des grosses télés. Lui, il a le concept, cette idée de dire, mais cette calculatrice, ces écrans à cristaux liquides qui ne coûtent rien, si j'en faisais des jeux. Autre chose, bon, il y a tout un truc en plus, un quiproquo avec les écrans et tout, bref. Et aussi, ce qui se dit, c'est que c'est la honte de jouer en public à cette époque, d'accord ? Jouer à cette époque, nous là maintenant, honnêtement, si moi je dis que je vous dis que j'ai joué à je sais pas quoi, Call of Duty demain, c'est un peu hier, histoire, bon, c'est pas la honte, c'est pas terrible, mais bon, voilà, j'ai joué à ça, mais c'est pas vraiment. Là, il se dit, tiens, je vais le cacher, je vais inventer un système qui doit cacher ce que je fais. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai plus que deux doigts, donc celle en haut à gauche, c'est vraiment la première. Donc on a vraiment l'utilisation technique, technologique. Des écrans à cristaux liquides qui coûtent vraiment pas cher à l'époque. Ils allaient passer sur une nouvelle technologie. Donc, il a récupéré d'énormes stocks de ces écrans qui ne coûtent rien. Il a imaginé des jeux juste avec deux boutons. D'accord ? Après, il y a eu une évolution. Et en plus, il fallait le cacher. Et idée, alors là, marketing, je ne sais pas si c'est lui, ils ont rajouté Watch. Ça fait réveil. Et ils l'ont mis au même prix que des réveils électroniques de l'époque. Et donc, là, vous faites... En fait, y a un réveil, puis il y a le même réveil au même prix, mais en plus, il y a un jeu. Enfin, je sais pas, moi, le premier, je prends le jeu. Et ça a plus que cartonné, d'accord ? Sans compter que je pense que nos téléphones actuels ne seraient pas pareils s'il n'y avait pas eu ça, puisqu'il a prouvé qu'une technologie nomade jouable pouvait... Et on s'est aperçu que... Et au début, c'était fait pour... pas pour du tout pour les enfants, hein, c'était pour les adultes, hein, mais bien sûr, les enfants l'ont pris. Et après... Je pourrais vous en parler des heures, mais il y a l'évolution du... Puisqu'après, comme Nintendo a sorti sa NES et sa Super NES, il a fallu adapter ses jeux et les jeux d'arcade sur l'écran. Et il y a eu toute une évolution là, qui est passionnante sur les boutons. Il y a des bouquins entiers. Il y a un bouquin génial de Nicolas Nova, si vous connaissez, sur les joysticks. C'est absolument incroyable parce que, bien sûr, c'est un bouquin encore de suspense pour designer, mais on voit la relation culturelle. C'est comment certains jeux, comment modes de jeu, comment certains usages ont pu arriver grâce à juste l'invention de deux boutons, trois boutons. C'est eux qui ont inventé la croix directionnelle. C'est-à-dire qu'en 83, la croix directionnelle, alors en fait, c'est la roue. Alors, enfin, vous voyez, la croix directionnelle, ben non, ça n'existait pas. C'était des potentiomètres avant, d'accord ? Et c'est à cause, entre guillemets, de Mario, où il fallait aller en haut, en bas et en même temps sauter, qu'il a fallu inventer la croix directionnelle. Voilà, on peut en parler plein. Et donc là, c'est intéressant. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est ce qu'il appelle la pensée latérale des technologies désuètes. C'est d'essayer de, en gros, penser en dehors de la boîte. C'est de dire, voilà, il y a certaines technologies qui sont là, mais est-ce que je pourrais me décaler et ne... Par exemple, cette techno, par exemple, Alexa, qui est fait, en gros, pour commander sur Amazon, juste par la voix, est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser différemment ? Pareil.
Il était décédé avant, mais c'est lui qui a eu l'intuition d'utiliser le motion gaming, parce qu'en fait, il s'est cassé le bras ou une jambe, je ne sais plus quoi, et il faisait de la rééducation, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais ce n'est pas super drôle, pendant 2 mois, vous tirez des trucs, là, voilà. Et en fait, ce n'est vraiment pas drôle. Il a dit, si je gamifiais ça, et justement, Nintendo, et aller voir les gens à un moment donné qui faisaient des accéléromètres, tout est basé sur les accéléromètres, à la base, c'était fait pour les missiles intercontinentaux, je crois que ça coûtait 10 000 euros le petit accéléromètre, et là, ils leur ont dit, bah, si on vous en commande 30 millions. Ah, d'accord, on va vous faire un prix, hein, on va se débrouiller, voilà. Voilà. Et en plus, cette techno, bon, sur les missiles, on a d'autres trucs. Et ils ont fait exactement la même chose avec ça, c'est-à-dire qu'ils ont pris une techno qui était déjà éprouvée dans un autre domaine, là, c'est le domaine militaire ou spatial ou des choses comme ça, et ils ont dit, mais moi, dans mon usage, pour le jeu, qu'est-ce que ça peut faire? Et ils ont vraiment inventé le motion gaming, et qu'on retrouve maintenant dans nos téléphones, alors, pas le motion gaming, mais cet usage se retrouve dans votre téléphone, vous savez, il sait dans quel sens il est et tout. Et aussi un petit schéma aussi qui m'avait beaucoup amusé. Alors je sais pas comment on prononce son nom, mais Gehu, voilà, qui est un prof, un designer chercheur à Stanford, et il montrait la manière dont on navigue actuellement. En fait, on a un doigt, d'accord, un œil parce qu'on voit pas en stéréo, en relief, et 2 oreilles parce qu'on a plus ou moins la stéréo. Mais en fait, voilà les sens qu'on utilise la plupart du temps dans nos interactions avec les machines. Donc c'est un peu frustrant. Donc là, comme je vous dis, j'étais vieux, j'ai trouvé un vieux truc que personne n'a vu, ça je vous le montre, parce qu'il n'est pas sorti pour des problèmes de droit. En haut à gauche, c'est un bug, hein, parce que c'est tourné. Mais là, c'était à l'époque de Canal+, donc on était en 93, 94, je ne sais plus. Je vous l'ai fait vite, mais c'est une navigation uniquement par le son. C'est-à-dire que c'était une radio, c'était complètement abstrait, on avait juste un petit bouton à tourner et on naviguait dans le contenu que par le son. Et quand on trouvait le son qui nous plaisait, alors normalement il devrait y avoir du son, bon c'est pas très grave. Alors on était à l'époque, hein, on est en 92-93, c'est-à-dire qu'afficher déjà une image plein d'écran, 640-480, c'était déjà un exploit. Et on avançait que comme ça, en profondeur, et je ne sais pas si vous voyez, là je tape vers le haut, c'est-à-dire que je ne voulais pas qu'il y ait de boutons. À l'époque, c'était les rois des boutons en bois, c'était super kitsch, les interfaces, il y avait plein de boutons. Là, il n'y avait aucun bouton, et on se servait juste en tapant sur le bord des écrans, on pouvait avoir l'historique. En haut, on avait les références de la musique qu'on était en train d'écouter, là je crois que c'est Coltrane, et on avançait ou on pouvait reculer. Voilà. Donc il y avait toute une interface comme ça, assez... En fait, assez intéressante, même après, vous voyez, je ne sais pas, ça fait 25 ans. Elle marche toujours, parce que je l'ai réessayé sur un vieux Mac G3. Vous voyez, je suis sorti là, des tiroirs, là, il y avait une machine, parce que ça ne marche plus maintenant. Et on avançait comme ça dans un contenu. Autre chose, là, c'était un peu plus tard, 96, 97, c'était un CD-ROM sur, époque des CD-ROM, hein, sur Freud, où là, la logique, pareil, c'était d'essayer, là, j'ai travaillé un an en Autriche pour ça, c'était vraiment génial, à Vienne, et... on avait travaillé donc avec Oula, la développeuse, sur une interface complètement fluide. L'idée, c'était de partir dans les volutes et les circonvolutions de notre cerveau. Et on avait, au contraire d'avoir un sommaire très clair, on avait un sommaire qui changeait tout le temps. Voilà. C'était une sorte de petit système génératif. Alors, pour ceux qui connaissent, c'était sur Macromind Director, hein, un très, très vieux. Voilà. Et c'était une performance de faire ça, puisque en fait, on pouvait comme ça se promener. Et après, on rentrait dans un contenu où, en cliquant dessus, on avait à la fois un contenu comment dire, très scientifique, parce que c'était pour, alors je ne sais plus, une date par rapport à Freud. Il y avait un énorme colloque à Vienne sur la psychanalyse et tous les travaux de Freud. Et pour ça, il y avait des documents scientifiques. Et il fallait en même temps que ça passe parle au grand public. C'est toujours le bon truc. C'est-à-dire qu'il faut parler à la fois à des spécialistes et à la fois à des novices. Donc c'est toujours très, très problématique. Donc il y avait une mini-énigme au départ. C'est-à-dire qu'on avait mis un tout petit... Là, il fallait trouver la Bergas, donc la rue où était le premier appartement de Freud. Et on avait le bord d'écran, vous voyez, on jouait sur le hors-champ. Et les gens, il y avait un petit truc qui apparaissait et on se décalait. Alors normalement, c'est fluide. Hein. On se décalait comme ça et on avait créé des sortes de grandes pellicules dans lesquelles on tirait la vie, des fils de la vie de Freud. Et à chaque fois, il y a du son et on clique sur le mot, si Étienne clique là, voilà, parce que je parle en même temps sur cette vidéo, voilà. C'était pour montrer. Voilà. Là, quand je clique, j'ai des mots-clés qui vont m'amener avec des contenus scientifiques. Voilà. En fait, il y a plein de couches comme ça au niveau du contenu et on avançait là-dedans. Voilà. Donc à la fois, c'était pour le grand public et pour les spécialistes qui pouvaient aller après à une interface purement textuelle. C'est-à-dire qu'on partait de l'image et on pouvait arriver à une interface vraiment noir et blanc, purement textuelle, où il y avait tous les rapports du colloque et les designs. Alors, plus tard, le web. J'ai eu l'immense chance de travailler pour Issey Miyake, le couturier japonais, pendant 8 ans de ma vie. Et carte blanche absolue au niveau du web. Tout ce que tu veux. En fait, des fois, c'est pas super carte blanche parce que vous êtes un peu terrorisé. Là, on est en 2000. Donc, YouTube, hein, c'est 2005. Je le dis juste pour ça, parce que voir de l'image plein écran vidéo sur son ordinateur, c'était très rare. Là, l'idée, c'était, je me suis dit, votre défilé, il est super beau. On ne va pas rajouter de trucs comme ça, on va juste prendre la vidéo, mais la vidéo sur Internet, ça n'existait pas à l'époque. Je me suis dit, bon, comment on va faire? Notre œil est beaucoup plus sensible
au mouvement qu'à la définition. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, les images sont ultra pixelisées. Donc, en fait, j'ai pris la vidéo de 20 minutes, je l'ai mis en 320-240, d'accord, étiré en énorme. Là, le système, c'est Flash, hein, était capable de le lire. Par contre, à n'importe quel moment, quand vous cliquiez, tac, je chargeais dynamiquement l'image sur le serveur en haute résolution. Voilà. Ça a marché super bien. L'interface, j'en suis encore content, vous voyez, je reviens dessus. Non, mais il y a deux, trois idées, des fois, vous êtes... Parce que moi, souvent, quand je fais un truc, je trouve ça pas bien, enfin, pas bien. Je vois que les défauts. 20 ans plus tard, je peux dire, c'était pas si mal. Surtout que j'ai fait le code en 3 minutes, enfin, 3 minutes, une journée, je suis pas codeur, mais c'est moi qui codais tout ça en Flash, c'est pas si compliqué. Et en fait, le truc a été accepté tout de suite, et en fait, j'ai fait un site en une journée, voilà, c'était vraiment cool. Alors, des fois, c'était 3 mois de ma vie, mais l'idée était aussi très simple, c'est-à-dire que le curseur, on le bougeait, ben, en fait, les gens comprendaient cette interface magnétoscope. C'est-à-dire quand on cliquait, c'était pause, on recliquait, c'était play, quand on allait à droite, on accélérait, et à gauche, on revenait en arrière. Voilà, en fait, on se déplaçait là-dedans. D'autres sites. Donc un peu plus tard, en 2005-2004, là c'était une... Alors à chaque fois, hein, je ne parle pas du trop du contenu, mais l'idée là c'était, la collection c'était basée sur des vêtements africains et des masques africains, les maquillages, je me rappelle bien, c'était des pigments colorés sur les mannequins directement, et il y avait du vent, enfin voilà, ouais, il y a tout un truc sur le vent. Là l'idée c'est simple, on s'était aperçu dans les stats que beaucoup de gens commençaient à regarder le site web sur des ordinateurs portables, tous les ordinateurs portables avaient un micro. En fait c'est simple, l'apparition, suivant l'endroit où j'ai ma souris, quand je fais... En fait, ça faisait du vent et ça faisait apparaître les photos des mannequins dessous. Donc on naviguait, on avançait dans ce site uniquement en soufflant, alors les postillons, je vous en fais grâce, mais sur l'écran. Bien sûr, il y avait un mode, hein, cliquer si vous n'avez pas de micro, hein, bien sûr. Mais en tout cas, ce site était assez marrant puisqu'on naviguait uniquement par le souffle. Et un des derniers que j'ai fait pour Miyake, parce qu'en fait, l'équipe s'est arrêtée après, enfin, il y a eu tout un changement d'équipe et tout. Et celui-là, alors c'était simple, hein, Miyake ne vendait pas en ligne, hein, c'était hors de question de vendre en ligne. Donc nous, c'est qu'une transposition des défilés qu'on avait, mais sur le web. Là, c'était un site qui est entièrement fait en ASCII, donc à base de caractères typographiques, animés, donc ça ne pèse rien, parce qu'il y a déjà cette problématique, hein, parce qu'il y avait encore des gens sur modem, donc il fallait que ça soit très léger. Et la chose intéressante, on ne va peut-être pas aller jusqu'au bout, mais le site, il finit complètement blanc, complètement blanc. Et c'est définitif. Parce qu'en fait, le défilé, c'était ça. Ça commençait par des vêtements noirs. Oh là là, je vais aller plus vite. Je vais aller plus vite, 10 minutes. Oh là là. En plus, je suis parti sur les trucs des années 80. Bon, en gros, le site, il s'arrêtait. Et le site, comment dire, s'arrêtait sur un écran blanc qui correspondait au défilé. Et c'était définitif. En fait, on avait mis un cookie et le site n'était utilisable qu'une fois. Voilà. Et en fait, c'était assez marrant parce que dans le domaine de la mode, il a eu son petit succès, entre guillemets, parce que tout d'un coup, on a donné de la valeur à quelque chose de purement virtuel, puisqu'en fait, on ne peut le voir qu'une fois. Voilà. Et donc, à partir de cette idée, on a développé d'autres choses, mais l'idée était toute simple. Et alors après, c'était marrant parce que dans les rédactions de mode, les gens se passaient leur ordinateur. Ah, voilà, regarde-le. Et donc, ça veut dire que les gens le regardaient vraiment. Parce que quand vous savez que vous ne pouvez le voir qu'une fois, bah, vous êtes assez attentif. Alors, je vais sauter plein de trucs. Voilà. Dans les idées... un jour, donc là c'était il y a 15 ans, j'ai la chance d'enseigner à la HED, la Haute École de Genève, en Media Design, et je passe devant un magasin de trains électriques. Je suis en avance pour une fois dans ma vie, et bah, je connais rien aux trains électriques, je rentre, d'accord. Ça, c'est... Et puis en fait je découvre un monde, voilà on est loin, là, voilà, un train électrique, et je vois des toutes petites figurines que j'achète. Et le soir, c'est l'iPhone 1, hein, le premier iPhone, enfin je ne sais plus comment il s'appelait, le 3 je crois même, ou 3GS. Puis. Et en fait je me dis, mais ça serait marrant là, ces petites figurines là, vous voyez à 40 ans, là, à faire des petits jeux de poupées comme ça, je dis c'est marrant de poser des objets physiques sur l'écran. Et puis en fait ce que je fais le soir à mon hôtel, vous voyez je m'ennuie bien, je fais cette petite application, donc c'est fait en Flash hein, honnêtement, hein, c'est les Flash peut faire des applications. Et en fait je me dis tiens, je vais inventer un truc, je vais faire une sorte de petite narration avec deux personnages l'un par rapport aux autres, un petit dialogue. Et alors, vous voyez, je croyais qu'il fallait mettre une pile pour que ça capte mieux. C'est un écran capacitif, donc j'avais acheté des piles, de la colle, voilà, hop, voilà. Voilà. Et donc, en fait, je me fais une micro-narration. Donc, ça, c'est assez intéressant. Quand je dis intéressant, c'est un prototype fait très vite. Mais moi, avec mes étudiants, le lendemain, vous voyez, moi, à 40 ans ou un peu plus, avec des étudiants et étudiantes de 20 ans, on commence à rigoler dessus, à se raconter des histoires. Et là, c'est-à-dire qu'au niveau de l'usage, quand vous commencez à ne pas parler technique, mais plutôt du contenu et de la narration, et en fait, on a fait plein de petits scénarios plus ou moins idiots comme ça, mais qui marchaient vraiment très bien, juste en plaçant. Je reviens à l'atelier et je dis à mes copains, mes développeurs, je dis, hey, y a un truc à faire là, parce que je pense que c'est marrant de mettre des objets sur les écrans. Là, comment ça peut communiquer? J'ai vu qu'avec mes doigts, j'ai mis du métal, j'ai mis une pile et ça marche. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de toucher. Et en fait, c'est simple. Enfin, maintenant, c'est simple, mais en gros, vous prenez un petit pion, on le peint avec de l'encre argentée. Dessous, par exemple, on met un ou deux ou trois picots. Ben, quand vous posez l'objet sur l'écran, ben, en fait, lui, il voit un triangle.
qui croient que c'est des doigts, et suivant la position, la forme du triangle, on sait que c'est le point 1, 2, 3, 4, plus on a position et rotation en temps réel. Alors, pour tout vous dire, il y a un brevet là-dessus. Donc, c'est vraiment au niveau de l'usage, vous voyez, c'est ça qui m'intéresse, c'est que j'ai d'abord joué à la poupée, entre guillemets, avec les étudiants. Je me suis marré. J'ai compris un peu la mécanique des écrans capacitifs. Après, je travaille avec des ingénieurs en disant, bon, alors, comment on fait? Et après, la problématique, c'était de dire, ben, après, comment on les différencie? Ben, c'est Julien qui m'a dit, ben, en fait, ça serait bien que les triangles ne soient pas que isocèles, mais qu'on ait plein de triangles. Et en fait, on a commencé à montrer ça, et là, on a travaillé pour Hasbro. Donc, Hasbro, c'est le plus gros constructeur de jouets au monde. Pour l'iPad 1, on a sorti des jeux avec eux tout de suite. Et vous voyez, c'est des petits pions, alors fabriqués à... je ne sais pas, 500 000 exemplaires, hein. Tout de suite, Hasbro, ça rigole moins. Mais là, on a vu le procédé de fabrication. Et là, il y a tout un nouveau pan d'usage. Et vous voyez, il n'y a pas de pile, il n'y a rien du tout dans ces petits pions. C'est juste un petit morceau de plastique, de bois ou de papier. Et la pile, c'est vous. D'accord ? Et c'est vous, en touchant l'objet, qui faites passer. Donc là, maintenant, on l'utilise beaucoup sur des grandes tables interactives pour des musées, des choses comme ça, parce qu'il n'y a rien du tout. Et là, vous voyez, là, c'était un petit test sur un PC. Oui, parce que cette techno, elle marche surtout, sauf sur mon écran, là, qui n'est pas capacitif. Mais vous voyez, ça marche aussi sur les écrans des tablettes PC, sur tout. Voilà. Et donc là, il repère facilement. Puis là, je me suis amusé aussi en papier. En fait, ça marche avec de l'encre argentée, avec du graphite, du crayon à papier, des choses comme ça, parce que tout ce qui conduit l'électricité permet de le voir. Voilà. Alors, je vais aller vite, parce que... Ah ben non, mais deux, j'ai encore 10 minutes, là. Ouais, je speed. Voilà. Une chose aussi intéressante, comme j'ai passé ma vie à poser n'importe quoi sur les écrans, vous savez, alors pareil... D'où vient cette obsession, entre guillemets? C'est qu'en fait, j'ai eu la chance d'avoir un iPad très tôt par un ami qui me l'a ramené des États-Unis. Il y avait un décalage de 6 mois, je crois, les États-Unis et tout. Puis je travaillais pour Chanel. Bref, on a fait plein de trucs pour Chanel sur les premiers iPads. Et j'avais un iPad à la maison. Je ne sais plus quel âge il avait. Bon, mon fils, il avait 4 ans, mais l'iPad, il traînait. On ne savait pas trop à quoi ça servait. Par contre, l'écran était horizontal. Et là, c'est pareil. Dans ma tête, je me suis dit, ah, mais ouais, tout d'un coup, vous voyez, horizontal, et tout d'un coup, je vois quelqu'un en face de moi. C'est-à-dire que c'est la première fois, ou une des premières fois, d'habitude, quand on regarde un écran comme vous, soit on est côte à côte, hein, soit on est tout seul, mais c'est rare que quand vous levez les yeux, vous aviez quelqu'un en face de vous. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, c'est les gens du jeu de société et de Hasbro qui sont venus nous voir. C'est-à-dire que c'est les gens du jeu de société qui, dès qu'ils ont vu des tablettes, ils ont fait hop, hop, hop. Voilà, nous, on n'a pas peur. C'est bon. Moi, par exemple, les gens d'Hasbro, ils nous ont fait rire quand on est arrivé, montrer toutes les technos qu'on avait. Ils nous ont dit, nous, on est super cool au niveau de la techno, vous savez, dans 50 ans, il y aura toujours des dés, des billes, des ballons et des jeux de cartes. Par contre, votre téléphone, je ne suis pas sûr qu'il soit là. Et ils ont tout à fait raison. Hein. Les dés, ça a 4000 ans. Les jeux de société, pareil, 3 à 4000 ans. Il y en a dans les tombeaux égyptiens. Donc, eux, ils ont une approche par rapport au numérique très, très décontractée en disant, on prend, hop, viens là. Par contre, nous, on va voir comment on peut refaire un Monopoly, un Battleship, ou je ne sais pas quoi avec, ou un petit jeu comme on a fait. Là, un autre jeu intéressant, justement, c'est dire... Donc, c'est des petits jeux. Là, on posait juste des petits morceaux en papier. Donc là, c'est un petit jeu des fantômes. Donc, pour les enfants, ils ont des petites... petite édition là, qu'on a édité, des petits objets à fabriquer. Donc, il y a la fusée, le ballon, il y a plein d'objets comme ça. Mais celui-là, il est intéressant parce que je me suis dit, bon, on va faire un petit jeu de société d'horreur pour enfants. Parce qu'en gros, on leur demande d'éteindre la chambre ou la pièce et puis la lumière vient vraiment sous la maison. Et le jeu, en fait, je me suis dit, bon, ben, un jeu de société, qu'est-ce que le jeu de société ne peut pas faire? Ben, le jeu de société, souvent, il n'y a pas de son. C'est compliqué, le son. D'accord? Là, en fait, c'est un jeu de mémoire auditive. Et ce qui s'est passé, c'est un jeu, en fait, pour gagner, il faut reconnaître le bruit du fantôme, parce que tous les fantômes se ressemblent, et en gros, il faut poser votre piège devant la porte vers laquelle vous pensez que le fantôme va rentrer. Voilà. Alors, ça a l'air simple, mais en fait... Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vous faire battre par un enfant de 7 ans, parce qu'en fait, il est plus rapide. Et chose aussi intéressante, ce n'était pas voulu, mais au niveau de l'usage, c'est intéressant, on a un ami non-voyant qui est venu, et qui a fait, je peux tester. Et en fait, on s'est aperçu que ce jeu marchait pour les non-voyants, ce qui n'était pas fait pour, parce qu'en fait, à partir du moment où ils se calibrent, je ne sais pas si vous avez travaillé avec des non-voyants, sur les tablettes ou les téléphones, ils utilisent beaucoup le son, pardon. Et lui, à un moment donné, bah, la reconnaissance audio, bah, ça, il l'avait mieux que nous, hein, il n'y a pas de problème, surtout que lui, il était non-voyant de naissance, donc il avait une faculté au niveau du son extraordinaire, et à un moment donné, il nous disait, bah, moi, c'est simple, si je mets mon pouce là, je me calibre, en gros, pour savoir où je dois poser mon jeton. Voilà. Et en fait, c'est intéressant parce que ce jeu qui n'était pas fait pour, tout d'un coup, on s'est aperçu que pour les gens non-voyants, non-voyants, marchait très bien. Autre chose, non, je passe vite. C'est un réveil qui est poli, qui vous dit bonjour. Voilà, c'est tout. En gros, juste, c'est un petit réveil. J'en ai marre de me faire réveiller, et encore ce matin, c'est toujours, mais cet écran lumineux qui fait bip-bip comme ça, je me suis dit, mais est-ce que ce réveil... D'abord, je vais faire un petit truc gentil. Je vais l'encapsuler, en gros. En français, je vais lui créer un petit théâtre autour de lui. Mais ce réveil, en gros, comme on est géolocalisé, on sait où on est, d'accord ? Ben, c'est simple. Le bruit du réveil correspond à la météo du jour.
C'est tout bête. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, j'aurais entendu la pluie au réveil, au lieu d'entendre bip, 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 comme ça. Voilà. Donc, en gros, je fabriquais mon petit... parce que je me suis amusé avec le papier. Voilà. Je glisse mon téléphone dedans, donc il y a un petit papier miroir, donc comme ça, la luminosité est moins forte. La nuit, si vous, jamais vous voulez savoir l'heure, il suffit juste de taper un tout petit peu sur l'objet. L'accéléromètre dit, bah, ah, on m'a bougé. Eh bien, j'affiche l'heure. Et en plus, il y a un truc marrant qu'on a rajouté, c'est que l'application vous dit bonne nuit. Ben, c'est tout bête, hein, une application qui est polie. En fait, les gens, ils rentrent en empathie avec. Ils disent, oh, ben, quand même. Et il y en a qui avaient du mal à l'enlever. Vous savez, je dis, oh, ben, celle-là, je l'efface. Ah, ben non, elle va faire, non, au secours, ne m'enlève pas ton téléphone. Voilà, mais ça marche pas. Et là, le matin, bon, là, c'était un test, voilà, à Montrouge, je ne sais pas à quelle heure, à 15h25, mais il y avait du soleil. Vous êtes réveillé doucement par le truc. Là, je vais passer, c'était la même logique. On a fait un jeu avec Julie Stéphane-Cheng qui se termine quand il pleut à midi. Ça s'appelle la pluie à midi, mais il faut vraiment qu'il pleuve en vrai à midi. Voilà. Donc le jeu, il est... Alors, on a donné, je ne rentrerai pas, je n'ai pas le temps, mais il y a quand même des astuces pour les enfants où ils peuvent gagner le fait de faire pleuvoir, parce qu'on lui a dit, et à Julie qui a eu cette idée, tu sais, des fois, il y a des endroits où il ne pleut pas, où il ne neige pas. Donc c'est un peu compliqué, surtout en ce moment, voilà, avec le réchauffement climatique, je crois que c'est un truc qu'on pourrait faire. Alors une autre idée, j'ai vu mon fils, donc maintenant il a 19 ans, il avait 3-4 ans, il a pris mon téléphone, le fameux premier téléphone, et il a joué, mais vraiment sincèrement, comme ça. Et puis, il était éteint et il faisait l'avion. Comme ça. Alors, il a horreur, je dis ça en public, voilà, mais bon, maintenant, il est grand. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, ça, d'utiliser le jeu pour l'objet lui-même et pas pour ce qu'il y a dedans. Vous voyez, d'habitude, on est obsédé par l'écran, on ne voit pas ce qu'il y a autour. Et en fait, je me suis dit, bon, l'avion, c'est compliqué, je vais faire un petit jeu de bateau. Donc voilà, Vim, pour tout vous dire, à 4-5 ans, là. Je me suis fait une grande carte imprimée, ouais. Et puis, je me suis dit, ben voilà, je vais faire un bateau, un jeu de pirate. Et l'idée, c'est ça. C'est que l'idée toute bête, je connais la problématique des accéléromètres. Je vais finir sur la reconnaissance vocale. Et en fait, c'est simple. Si vous dites au départ, votre téléphone, vous le posez sur la case A1, quand je le pousse vers le haut, il sait qu'il en déduit qu'il est sur la case A2. Et quand je vais à gauche, il est sur B1. D'accord ? Et en fait, à partir de ce principe, ben, on a inventé tout un jeu. Alors, on l'a inventé il y a plus de 10 ans. On est allé voir des éditeurs de jeux de société qui nous ont dit super, Hasbro même nous l'a testé, et tout, ça marche super bien. Bon, vous avez juste fait le jeu de société le plus cher du monde parce que chaque iPhone coûte 1000 euros, donc c'est le jeu à 4000 euros. Et l'idée du jeu de société, on n'est pas dans ce délire. Et en fait, 5 ans plus tard, ben, on a vu les Android arriver avec les prix qui ont chuté, sauf Apple, hein, mais en tout cas, voilà. Et donc là, on l'a lancé nous-mêmes. Donc après, il y a toute une phase, ça je ne vous montre pas, de dessin et de. Moi, je réfléchis par le dessin en fait, hein, je suis vraiment graphiste et c'est vraiment sur mes petits carnets où à partir du moment où il y a d'abord l'idée initiale, de l'usage. Là, je développe l'univers. Après, c'est les tests en papier, parce qu'avant de développer des trucs, c'est gentil. Hein. Puis en plus, ça communiquait Android, iPhone et tout. Et quelques années plus tard, on arrive à ça. Donc, c'est un jeu qui a très bien marché. On a sorti... Alors, comme aucun éditeur ni distributeur, vous ne voulez le prendre, parce que c'est le premier jeu au monde, alors c'est pas pour frimer, mais qui utilisait obligatoirement un téléphone dans un jeu de société, personne n'a voulu le prendre. Genre, oh là là, c'est compliqué, puis ici, il y a un bug et tout. Et donc, vous voyez, là, c'est la vidéo Kickstarter. Donc, on a fait un Kickstarter, puis on y est arrivé. Et là, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que l'écran, comme il sait sur quelle case il est, il affiche exactement la carte, sauf qu'elle devient magique parce qu'il y a des animations. Voilà. Et là, c'est les premiers tests, vous voyez, quand on se déplace. Voilà. Donc, à partir de ce principe, après, on l'a décliné pour des gens pour Milan Jeunesse, par exemple, on a fait des livres avec. Voilà. Mais, et c'est une mécanique de... Après, je ne m'étends pas sur le gameplay parce que c'est une mécanique, j'adore ce truc, c'est qu'il y a un traître. Voilà, il y a toujours des traîtres et voilà, ça marche toujours bien en mécanique ludique. Ouais. Mais vous voyez, on a l'impression que l'écran est transparent. Et ce qui est intéressant dans les tests, moi j'ai fait beaucoup de tests, je suis allé aux États-Unis pour le tester et tout, enfin dans des grands salons et tout, c'est qu'au bout de 2 minutes, les gens disaient plus. C'est là où il y a un côté où vous dites ça marche, parce que là je vous montre les trucs qui marchent, il y a plein de trucs qui ne marchent pas. Les trucs ratés, un jour je ferai un livre. Mais le truc, vous voyez qu'au bout de 2 minutes, les gens ne disent plus mon téléphone mais mon bateau. Et là, vous faites, ça y est, ça marche. Non, mais c'est ça qui est... Enfin, vous voyez, dans les expériences utilisateurs, si tout d'un coup, on ne va plus parler de la technique, parce que comment ça marche, il y a une caméra, il y a des quoi, il y a une puce NFC, il y a quoi de... Non, 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 joue. Voilà. Et ça, ça a marché plutôt bien. Bon, très vite, là, hop, 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 on va vite. Ça, c'est mes vacances, il y a 2 ans. Voilà, c'est comment faire un instrument de musique juste avec une sorte de truc à la MacGyver. C'est juste un petit piano. Justement avec un morceau de papier, un élastique et un morceau d'aluminium. En gros, l'aluminium conduit l'électricité de votre corps. Et voilà. Donc, j'ai fait tout un petit orchestre comme ça. Alors, je vous le montre juste avant de passer au plus sérieux. Là, c'est un jeu de dames. Donc pareil, au niveau de l'usage, je discute avec un copain qui me dit que le jeu de poker, c'est le meilleur au monde. Je dis non, c'est nul. C'est pour les joueurs de poker. S'il n'y avait pas l'argent dans le poker, je ne suis pas sûr que ce soit un jeu extraordinaire. Voilà. Donc il y a une discussion. Je lui dis, tiens, on va faire un jeu où
Qu'est-ce qui hors argent? Ben, je dis, moi, mon carnet d'adresse, ça m'embêterait. Ben, on va jouer ton carnet d'adresse. C'est-à-dire que là, c'est un jeu, vous jouez vos amis Facebook. Et quand c'est un jeu de dames, et là, vous voyez, ben, je les connais, hein, là tous, hein, voilà, Bruno Feduti, et là, quand vous le perdez, là, quand on joue face à face, schlac. Et là, vous l'effacez de votre carnet Facebook. C'est-à-dire, mais c'est fini, c'est un schlac, voilà. Et donc là, au niveau de l'usage, voilà. Alors, voilà. Et en plus, ça laisse des traces, vous voyez. Et ça, en plus, à la fin, vous avez des traces de sang partout. En plus, j'ai mis des hurlements, voilà, des trucs comme ça. Mais là, vous voyez, là, je me rappelle en plus de leur petit picto. Là, il y a ma nièce, là, voilà, Manuel Rozoy, voilà. Et en plus, la personne reçoit un message comme quoi elle n'est plus votre amie. C'est méchant. Ouais. Alors, pour tout vous dire, Facebook nous l'a bloqué. Voilà. Merci. Donc, il faudrait le refaire sur le web, par exemple, mais parce que Facebook nous a dit non, on autorise des tierces personnes à rajouter des amis, mais jamais enlever. Ah, voilà. Donc, on a arrêté le projet, on a mis en stand-by, mais le projet marche. Hein, voilà, c'est donc, voilà. Et d'ailleurs, juste pour finir, au niveau de l'usage, vous ne jouez pas pareil. Vous voyez, quand c'est votre maman et que l'autre le sait, eh ben, quand même, sacrifier sa maman, c'est pas cool. Alors que, bon, après, on avait fait un business plan, on vendait des packs d'amis. Enfin, voilà, c'est quand vous avez voté. Donc, on était allé plus loin. Alors là, je vais passer assez vite. Là, voilà, tac, tac, tac. Ben là, c'est les fameuses pyrogamies. Et puis après, je vais passer au dernier projet. Là, l'idée, c'était pendant le vrai confinement, entre guillemets, vous savez, les deux mois où on était bloqués. Moi, je me suis retrouvé dans la chambre de mon fils, d'un de mes fils, sans imprimante. Et j'étais là, mais comment je fais, voilà. Et en fait, je joue pas mal aux jeux de rôle avec eux. Je me suis dit, tiens, je vais faire des décors avec du papier. Et en fait, le premier, voilà, j'ai fait ça. Je me suis dit, tiens, ça serait marrant, juste avec une feuille A4, je vais faire des châteaux. Et l'idée, ça a été de dire, tiens, je vais l'enrouler en spirale. Pas de colle, parce que la spirale, quand vous l'enroulez, ben, elle essaye de reprendre sa forme, elle bloque le papier. Et puis après, ben, j'ai pris un cutter et du meilleur papier. Là, j'ai bien mis un petit peu de temps. Et puis petit à petit, voilà, j'ai commencé à peaufiner le joujou. Alors là, après, ça, c'est une découpe laser. Parce que après, en fait, j'ai investi. Parce que quand vous mettez 2 heures, voilà, quand vous mettez 2 heures pour ça, je suis allé me renseigner parce que je me suis dit, c'est pas possible. Enfin, voilà, parce que les gens trouvent ça cool. Vous voyez, moi, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux pour faire mon étude de cas. En fait, je dis, bah, qu'est-ce que vous en pensez? Puis quand vous avez qu'il y a 300 personnes qui disent, je l'achète, vous faites, ah, voilà, quand même. Et donc là, j'ai fait un petit Ulule il y a 2 ans. Et en fait, ça a super bien marché à Noël. Alors après, voilà, ça a fait ça. Voilà, par exemple, celui-là, c'est un spirogami. Voilà. Donc c'est que de la découpe papier. Là, c'est au laser. Tout est dessiné à la main, pré-vectorisé, blablabla. Voilà. Et donc là, on fait ça. Et alors, les prochains, donc vous voyez, ça fait. Donc l'idée après de la découpe laser, c'est d'arriver à faire des choses qu'on ne peut pas faire à la main. Parce que, alors, d'abord, on va beaucoup plus vite. Mais vous voyez, il y a des formes architecturales et tout qui, au cutter, sont presque impossibles à faire. Donc, voilà, on a travaillé beaucoup là-dessus. Et les dernières, là, et puis les prochaines qui vont arriver, sont des lampes. Où là, ça marche bien avec des lampes. Parce que, vous voyez, en tout cas, et là, à Noël, je vous le dis, alors on est dessus, on va faire des petites veilleuses pour enfants. Où là, la mécanique, elle va être narrative. Parce que là, vous ne le voyez peut-être pas, là, celui-là, il n'est peut-être pas précis. C'est la ville d'Arcachon, pour tout vous dire. Mais il y a des petits chats qui regardent l'oiseau, qui regardent un autre oiseau, voilà, et qui essayent de passer de l'un à l'autre. Et en fait, on a une sorte de narration de bande dessinée comme ça, narrative. Allez, on va terminer au dernier. Ça, c'est des trucs de Noël. C'est des jeux de cartes pour enfants. L'idée est toute bête, mais elle est pliable en trois coups. Vous le pliez, vous faites des animaux. Et en fait, là, je travaille beaucoup avec. Vous savez, et après, je partirai à la fin. Le plastique va disparaître. Mais vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des lois. C'est même pas c'est pour, j'espère, la planète. Mais il y a des lois qui arrivent et les fabricants de jouets sont au courant. Genre, dans tant d'années, l'Europe, par exemple, est pour une fois vachement en avance. Donc là, ça rigole pas du tout chez les gros constructeurs de jouets. Et là, par exemple, nous, on a eu des demandes. Et là, c'est moi qui le fais moi-même. Mais là, c'est un Playmobil. Voilà, l'idée, c'est de faire des Playmobil en papier. Ouais, c'est juste un petit jeu de cartes à plier et vous fabriquez plein de choses en papier. Voilà. Bon, après, on s'est amusé à faire de la réalité augmentée, par exemple, dessus. Vous voyez, tac, il est détecté. Voilà. Alors, en vrai, moi, j'ai pas mal travaillé avec la réalité augmentée. La semaine dernière, on a fini un gros projet avec des enfants de la mairie du 18e. Là, les maisons, elles sont en réalité augmentée. Enfin, raison. C'est-à-dire qu'elles sont détectables en réalité augmentée. En fait, un enfant de 7 ans, très, très vite, vous voyez comment ça finit. Voilà, donc c'était très drôle. Mais c'était un bon étude de cas. Alors, pour le dernier projet, là, je vous ai parlé de des intelligences artificielles, la reconnaissance vocale et... Toujours, désolé Vim, mon fils aîné est extrêmement dyslexique. Donc, je l'ai vu utiliser petit à petit, ben, même les orthophonistes lui ont dit, ben, écoute, il y a la reconnaissance vocale, essaye de te débrouiller avec. Et au niveau de l'usage, maintenant, honnêtement, il m'écrit, enfin, d'abord, il n'y a pas de faute d'orthographe, et en fait, il utilise non-stop, il parle à son ordinateur, il utilise Siri avec son téléphone, voilà. C'est un usage qu'il utilise tous les jours. Voilà. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant ça, parce que maintenant, il est grand, mais tiens, ça serait intéressant de voir. Donc ça, c'est mon... Désolé, je montre mes fils, mais comme ça, j'ai le droit de les montrer. Ça, c'est le deuxième. Et voilà. Donc, on a fait avec Julien, on s'est dit, tiens, si on utilisait Siri et le système de Google, hein, ça marche pour Android, pour reconnaître la voix. Et là, l'idée est toute simple. Donc, c'était en 2017, hein, ça, il y a un moment. Donc, il a grandi, lui.
on détecte la voix et c'est en prononçant les bons mots que les images apparaissent. D'accord ? Et c'est quelque chose, donc, au niveau de l'usage, c'est que j'ai vu mon fils qui l'utilisait, je me suis dit, tiens, c'est intéressant pour les dyslexiques et pour tous les autres, et je me suis dit, tiens, ça serait peut-être intéressant pour les enfants qui commencent à apprendre à lire de trouver une mécanique de lecture, non pas basée sur la répétition, mais sur le plaisir. D'accord ? Et un plaisir ludique. Et donc là, le système, c'est que... Alors là, on a fait plein de tests, on est en 2022, là, on en a trois histoires qui sont presque finies, et tout marche bien, puisque techniquement, avant que ça marche, c'est costaud. Et là, en fait, l'enfant va, petit à petit, il est valorisé, parce qu'en lisant, c'est lui qui va construire, pas l'histoire, mais les images. Donc au début, on est sur des illustrations un peu vierges, là, c'est Julia Spears qui a fait les illustrations, et quand il lit, vous voyez, quand il lit dans un village, le village apparaît. Et petit à petit, comme ça, il construit l'histoire, pardon, et quand il dit suite, il avance petit à petit, comme ça. Ouais, on se déplace comme ça dans un grand champ. Là, c'est un autre avec Guillaume Mitte. Donc, il y a plein d'histoires différentes pour des âges différents. Là, pareil, c'est « Il était une fois ». Donc là, c'est la vraie interface presque définitive. On a comme un petit karaoké, la petite puce dessous qui vous dit « Où lire ?» D'accord ? Quel est le prochain mot ? Ce qui n'est pas évident. Et là, quand je dis « Buisson » ou « Prince Carotte », il apparaît. Voilà. Donc là, il y a tout un travail avec les enfants. Par exemple, on a calmé les animations parce qu'il ne faut pas que les animations soient trop voyantes pour pas qu'elles perturbent la lecture. Les animations n'arrivent qu'à la fin, par exemple. Ça arrive d'une manière douce. Je vous explique pas après... Par exemple, un devin, il comprend devant, 100%. Hein. Donc, en fait, il y a plein, il y a tout un... Et je vais arrêter là-dessus. J'ai un stop. Et donc, juste pour finir, on avance. Et bien sûr, avec Anthony Jauneau, là, qui est le narrative designer là-dessus, on a fait aussi plein de choix. Donc, c'est comme un livre dont on est les héros, on a des choix multiples. Donc, par exemple, est-ce que je vais voir les archers ou les cavaliers ? Et l'histoire change complètement suivant. Et c'est des histoires qui durent bien 40 minutes. Donc, on peut sauver, on peut revenir en arrière. Voilà. Et donc là, on travaille vraiment avec des enfants. Et dernière chose en test, c'est qu'on s'est aperçu que l'enfant, pour une fois, c'était intéressant que l'enfant soit seul devant la tablette, puisqu'il sait qu'il n'y a pas de jugement de la part d'un adulte ou de ses copains. Parce que le pire pour un enfant, par exemple, qui a du mal à lire, c'est de lire devant tout le monde à la classe, dans la classe. Et pareil, de lire devant des parents. Ça le stresse, il lit beaucoup plus mal. Là, on a fait des tests avec et sans. Devant la tablette, il n'est pas bête. Il sait que la tablette, elle s'en fout de lui. Hein, il n'y a pas de jugement. Et ça, c'est intéressant, parce que pour une fois, j'ai trouvé un usage où le fait d'être seul devant sa tablette marche bien. Voilà. Et... pour clôturer, merci. Maintenant, j'ai un nouveau projet, entre autres. C'est avec Sabrina Calvo et Stéphanie Madère. On a décidé de faire un jeu qui doit durer 1000 ans. Voilà, c'est simple. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on ne peut pas se planter, puisque personne ne sera là pour nous le dire. Mais l'idée, c'est qu'on est parti sur un jeu qui doit durer 1000 ans. Pas qu'il va se jouer dans 1000 ans, qui doit durer sur 1000 ans. Donc là, ça pose plein de questions, en fait. Donc, on a créé un blog, vous pouvez y aller, c'est 1000.jouable.fr, où on regarde, on s'est donné 2 ans pour créer les règles du jeu. Donc au niveau des usages, parce que ça repose toutes les questions sur... Vous savez, un disque dur, c'est 5 ans d'âge moyen. Une USB, c'est 3 ans. Donc, premier truc, c'est bien sûr, ça ne sera pas un jeu vidéo. Voilà, ça sera autre chose. Voilà. Et donc, on travaille là-dessus à longue échéance. Et là, juste pour terminer, voilà, ça, c'est le premier croquis de la première réunion. Alors, en haut, là, la petite bulle, c'est ma vie. Voilà, donc c'est juste ma vie, voilà, la vie d'Étienne. Alors, ça pose plein de problèmes, enfin, pas de problèmes, plein de trucs assez incroyables, en fait, parce que ça ouvre, l'idée, c'est d'ouvrir au maximum, et on travaille avec des sociologues, avec des ingénieurs, avec vraiment tout, des médecins, là, pour nous dire, voilà, des biologistes, pour savoir un peu, beaucoup de sociologues, en fait, dire, mais on ne peut pas, vous voyez, au niveau de l'usage, c'est comme travailler avec un extraterrestre dans 1000 ans, on ne sait pas. Donc, il faut donner un système qui soit totalement ouvert. D'ailleurs, pour tout vous dire, la dernière réunion, on a arrêté, on s'est dit, on est en train de créer une religion. Puisque, en fait, on est en train de faire un livre surécrit et qui est très ouvert et interprétatif. Donc, on est là, bon, est-ce qu'on va jusqu'au bout ou pas ? Voilà, je termine là-dessus, puis n'hésitez pas à me poser des questions. Merci. Merci. Du coup, merci beaucoup. Tiens, c'était passionnant. Je ne sais pas ce qui se passe un petit peu dedans, dans le cerveau en permanence. Ah bah, ça va, voilà. S'il y a quelques petites questions, on attend. Et après, il sera aussi disponible vers le Kakemono Meeting Point. Oui, c'est vous-même. J'ai amené sur la tablette, normalement, l'application de reconnaissance vocale. Alors, en public, c'est compliqué. Il faut être au calme, mais si vous voulez tester. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à toutes ces expériences, ce design, ces usages ? Je vous ai saoulé, là. Voilà. Ah, une question là-bas au fond. Bonjour, merci beaucoup, monsieur Mineur. C'était. Je suis là. Ouais. Je ne sais pas où vous êtes, mais ce n'est pas grave. Allez. Je me lève, c'est mieux. J'entends une voix. Ah ouais, voilà. Il y a quelques années, moi, je suis allé au salon du livre jeunesse.
Dans ma tête, je situe l'iPad à peu près 2010, et puis je crois que j'y suis allé en 2015. En 2015, il n'y avait quasiment plus d'éditeurs qui faisaient des applications pour enfants sur tablette. En fait, il n'y a jamais eu de modèle économique sur tablette pour ce créneau-là. Moi, je voulais savoir aujourd'hui, en 2022, où en est l'édition numérique jeunesse de votre point de vue? Voilà. Alors vraiment de mon point de vue, parce que moi je ne suis pas trop dans cet écosystème. Vous avez vu, nous on fait plein de prototypes et on est dans la prospective. Alors là vous avez raison, un des gros soucis là c'est Apple et Google, surtout Apple, enfin les deux, c'est le, en gros, en résumé, mon téléphone vaut 1 000 euros. Par contre, acheter une application à 2 euros, je me pose des questions. Ça, c'est délirant. Mais moi, le premier, pour mes filles, je dis « Ah non, ça, je ne vais pas te l'acheter. Ça coûte 1,50 euro l'application. » D'accord ? Et moi, je sais comment... Enfin, vous tous, on sait que c'est du boulot. Hein, voilà, que ce n'est pas un truc gratuit. Donc, Apple et Google, ces gros constructeurs, nous ont fait croire que le contenu, c'est comme Spotify sur la musique, que c'était gratuit. Donc ça, ça pose un gros souci économique. Quand vous êtes pour enfants, nous, on refuse absolument la publicité et le traçage. Donc, ben, on se coupe. Parce que le domaine du jeu vidéo marche très bien hein, sur les supports numériques et sur tous les téléphones, parce qu'eux, en fait, ils ont un autre mode économique, mais qui n'est pas moralement, en tout cas pour moi, intéressant à mettre, surtout pour les enfants de 7 ans qui apprennent à lire. D'accord ? On ne va pas leur mettre des pubs toutes les 2 minutes, ou mettre dans Fortnite, du paiement pour avoir la petite casquette ou des trucs comme ça. Donc on est vraiment bloqué à cause de ça. Voilà. Donc nous, pour tout vous dire, ce qui s'est plutôt bien passé, c'est que nous, on gagne de l'argent sur les objets physiques qu'on vend. Voilà. Et l'application est gratuite. Donc à part, nous, on a dû faire une vingtaine ou une trentaine d'applications. Il n'y en a qu'une qui est payante, c'était la plus Émilie, parce qu'en fait, elle est autonome, en fait, et elle nous a coûté très cher en dessin animé. Mais en fait, nous, on gagne notre vie grâce au réseau de distribution classique. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Donc nous, c'est ce mélange, cette côté hybride. Sachant que techniquement, 3/4 du budget, c'est pour le numérique, et 1/4 du budget, c'est pour le physique, et sachant que c'est le physique qui nous ramène de l'argent. Donc c'est extrêmement compliqué économiquement, ça je ne vais pas vous le cacher. Voilà. Et nous, là maintenant, là, avec La Plume à Midi, ça s'appelle À Haute Voix, la collection de petits livres, ben, on tente ça, on va voir, pour tout vous dire, on travaille avec un autre, alors là c'est pas nous, on est prestataire, enfin en gros, on a inventé le moteur, hein, tout ça. On travaille pour d'autres éditeurs qui travaillent beaucoup sur l'audio parce que Audible, par exemple, marche très bien. Et tout ce qui est audio, et même c'est un nouvel usage. Moi, le premier, j'écoutais pas de livres audio avant. Grâce à mon fils qui écoute beaucoup Audible, je me suis mis à écouter ça. Et il y a pas mal de gens qui commencent à travailler là-dessus. Donc on va voir si on est dans une nouvelle période intéressante. Mais le gros souci, c'est ça. Le modèle économique, en tout cas sur ces appareils numériques, qui est très fermé, c'est extrêmement compliqué. Voilà, ça c'est... Donc nous, je vous dis, on s'en est sorti parce qu'on vend des objets physiques. Yoho, par exemple, ça s'est très bien passé, parce que la boîte est vendue 60 euros, mais sachant que c'est 10% du budget, en fait, la boîte, physiquement. Voyez. Tout le reste, c'était le numérique, mais on a gagné de l'argent sur le physique. Et le réseau de distribution marche bien. Enfin, en tout cas, par exemple, du jeu de société, c'est quelque chose qui marche bien, et ça marche beaucoup par le bouche à oreille, donc en fait, on est arrivé à se débrouiller comme ça. Bonjour, j'ai vu que vous avez travaillé sur Unlock. Ouais. Vous parlez souvent que ce qui vous plaît, c'est que le jeu de société perdure, mais Unlock, on peut le faire une fois et après c'est terminé. Ouais. Alors pourquoi vous êtes lancé dans un projet comme ça, tandis que pour vous, ça doit perdurer, enfin, ce genre de choses. Alors Unlock, c'est un jeu de société français inventé par Cyril Demegue qui marche extrêmement bien. Voilà. D'ailleurs, qui nous a sauvé la vie, nous, parce que ça a prouvé aux distributeurs qu'on pouvait en vendre 5 millions, alors que l'application est obligatoire. Et Unlock, c'est un jeu d'énigmes. Donc, c'est-à-dire que quand vous avez fait l'énigme, c'est fini. D'accord ? Donc, eux, ils ont brisé pas mal de tabous, entre guillemets. C'est-à-dire que le jeu, il se joue une fois, et en plus, il faut une application. Voilà. Mais ça marche. En fait, statistiquement, c'est qu'ils ont vu les joueurs de jeux de société jouent 2 à 3 fois le même jeu, c'est tout, pas plus. C'est-à-dire qu'un jeu de société, les gros joueurs de jeux de société, moi le premier, on achète des jeux. Donc, et ce jeu se redonne. Si tu joues à Unlock, je te tutoie. Le jeu, t'as vu, on ne déchire pas les cartes, on les abîme pas. Contrairement à Exit, on se les partage et on peut se le redonner. Donc en fait, le principe, moi, que j'aime bien là, c'est que bien sûr, tu peux n'y jouer qu'une fois, mais c'est comme n'importe quel feuilleton d'énigme, tu vois, un Colombo. Référence de très vieux. Mauvais exemple, parce que Colombo, justement, tu sais qui est le méchant dès le départ. Mais n'importe quelle série à suspense, bah, en fait, si tu sais la fin, il y a des fois, t'es un peu, c'est un peu embêtant. Mais
Donc là, c'est un jeu, justement, leur truc, c'est on n'abîme pas les cartes, on ne les déchire pas, donc ça veut dire qu'on peut le redonner, le reprêter, le jeu. Voilà. Donc ils sont partis là-dessus, alors qu'il y a un concurrent qui s'appelle Exit, où là, c'est des tabous hein, dans le jeu de société, on a le droit de déchirer les cartes et de les plier, et là, c'est fini. Voilà. Donc là, Et Unlock, moi, je trouve ça très bien, je peux en parler cool, parce que ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Je ne sais pas si tu as vu, le jeu progresse plus en plus au niveau technique, mais on est 95% du temps sur des cartes, et que 5% sur le téléphone. Par contre, le téléphone arrive au bon moment. Enfin, c'est ça que j'aime bien avec les game designers. Donc là, c'est vraiment trouver tout le temps. Mais là, on est en plein dedans là, pour le prochain, pour tout dire. Il y a six aventures d'un coup. Donc, ça va être lourd. Voilà, je l'ai dit. Alors, et moi, je ne les connais qu'avec des post-it. Tu vois, je ne connais même pas l'application finale. Mais c'est intéressant parce qu'il y a une belle adéquation avec les game designers de jeux de société qui ont bien compris ce que pouvait amener le téléphone. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour tout vous dire, il faut juste parler. Mais on ne vous le dit pas. Mais tout d'un coup, quelqu'un va parler, le téléphone va reconnaître. Il faut retourner le téléphone. Mais qui n'est pas gadget. C'est ça que j'aime bien. Et juste, j'y pensais là pour l'édition jeunesse là, sur tablette. Un des gros problèmes, c'est qu'au début, mais c'est tout le temps comme ça avec les technos, on essaye de copier ce qu'on avait fait avant. D'accord ? Là, l'idée, par exemple, avec Haute-Voix, je suis assez content, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire dans l'édition classique. Voilà, la reconnaissance à Haute-Voix, ce n'est pas possible. Donc l'idée, c'est de toujours trouver quel est l'avantage, en fait. Qu'est-ce qui différencie cet objet avec cet autre? Et là, vous dites, ah bah oui, la reconnaissance vocale, par exemple, c'est une nouveauté, bah je vais essayer de tester. Voilà. Et Unlock, c'est un peu pareil. Jouer à Unlock. Voilà. Bon, on touche pas de pourcentage dessus, malheureusement. Voilà. Désolé, on va être obligé d'arrêter. Ah bah voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Bah, merci beaucoup. Bienvenue.